Yo les gens, c'est Xeimai et on se retrouve sur les Schtroumpfs pour le Retro Xei Show. Alors, nous nous trouvons actuellement dans le barrage. On va régler le son. Voilà, nous nous trouvons sur le barrage où il y a l'énorme Krakuka, c'est une espèce de gros piaf, qui est dans la série, dans la BD, qui va nous attaquer à coups de gland. Et déjà, ça fait plaisir, on a récupéré un... une framboise, parce que sinon on allait crever, parce qu'avec un seul cœur dans ce jeu, on est mal barré. Voilà. Bon, nous revoilà un cœur, parce que évidemment, faut d'inattention. Une chose qui arrive, y'a rien par ici, si, y'a un truc comme ça. Hop. On y va, même si je pense qu'on va crever, parce qu'avec un cœur, on va pas aller loin, surtout face au Krakoukas. Normalement, il est quelque part en haut, le Krakoukas, si ma mémoire est bonne. Ça remonte à loin, surtout la dernière fois que j'ai joué. Dunk. Ah là-bas, il y a une framboise. Mais c'est un piège! Des étoiles, plein d'étoiles. Bah, il est où le Krakoukas? Il est pas censé y avoir un Krakoukas? Ah bah si, voilà. Aïe. Non, je veux pas mourir. Non, il ne veut pas mourir. D'accord, mais il est mouru. Il est mouru. Bon. On reprend. Ouais. Attends, petit papillon. On passe. Il boink, hop, il prend ça, et on y va, comme ceci, tranquillement, hop, bang. On évite tout. D'accord. Aïe, ça commence bien. Ah bon, on a récupéré une vie, ça fait plaisir par contre. Tac. Petit papillon, je ne me ferai pas avoir, voilà. Si, on fait gaffe. Et nous revoilà à 4 coeurs, ça fait plaisir. Jump. Par là, il y avait des choses. Oui, il y avait des feuilles, ça nous sera utile. Vous pouvez dire les feuilles, c'est pas spécialement utile, mais bon. Puisque 25 feuilles permettent de récupérer de la... Comment on est censé descendre là? Comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Récupération. Donc je disais, comme les feuilles, au bout de 25 feuilles, on récupère une vie, vaut mieux en avoir le... Genre, pour en avoir le plus possible, sera le mieux. Ibrink. Clink. Et là, on jump. Non. No. Aïe. Ceci était une connerie. Rush. Aïe, putain. Rush. Attention, il va attaquer. Hop. Merde. Merde, trop loin. Ah, j'ai pas sauté assez loin. Alors, avec un cœur, on va pas aller loin. Uber. Bon, d'accord. C'était bien tenté. Mais c'était raté. Bon, plus de vie. Hop. Tac. Hop. Là, de toute façon, il nous faut le trampoline qui est là-bas. Voilà, pousse-toi, petit papillon. Boing. Je veux le cœur. Non. On va y arriver. Voilà. Par contre, j'ai l'impression d'avoir un petit freeze là. J'ai l'impression que le jeu est plus lent. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'après je vais jeter un œil. Je finis ce niveau et je pense que je vais jeter un œil à Fraps, voir si je l'ai bien configuré. Parce que pour les Schtroumpfs, je suis obligé de le mettre à 60 FPS. Ah bah voilà, c'est qu'en fait c'est ça. C'est qu'en fait, il est réglé, il doit être réglé sur 30 FPS. Ça doit expliquer. Parce que sur 30 FPS, le problème, c'est que le jeu rame un peu visiblement. Je suis obligé de le foutre à 60 si je veux que ça ait un enregistrement potable. Ça me paraît un peu laggy quand même. Non. Hop. Nope. Rush. Iboink. Merde. Il a fallu qu'il y ait celui-là, évidemment. Tiens, c'est bon. Il est au-dessus. On ne craint plus rien. Yop. Jump. Ah, une étoile. Oh, tant pis. On n'aura pas l'étoile. Tant pis. Ouais, donc là, on va aller dans le prochain niveau. On va mettre sur pause. Et je vais vérifier
l'upload. Enfin, l'upload. L'enregistrement. Voilà. Pause. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Re. Donc, c'était bien ce que je pensais. C'était Fraps qui était bloqué en... qui était bloqué en 30 FPS. Alors que je voulais qu'il le soit en 50. Donc, du coup, le jeu me paraît beaucoup plus fluide. Et j'aimerais récupérer cette étoile. Sauf que là, la grenouille n'a pas l'air de vouloir réapparaître. Voilà. Tu auras pas eu, toi. Punk. Voilà. On jump, on jump. Hop. On se prend pour Tarzan. Enfin, le schtroumpf Tarzan. Schtroumpf de la jungle. Alors toi. Raté. Bunk. Voilà. Bon, en glissant d'une truc. Oh, toi tu vas disparaître. Voilà. On va se faire avoir. Parce qu'il se recache dans l'eau quand il faut pas, évidemment. Aïe. C'était prévisible. Toi, je t'aurais raté. Hop, voilà. On va passer tranquillement. Putain, yep. Moustique, plutôt. Salut. Non, te sauve pas, j'ai besoin de toi. Quand on la tape, elle fait demi-tour. Voilà. Et quand elle arrive au bout du chemin aussi. Hop. Aïe. Bon, on recommence. Là. Bon. Brac. Et hop. Et... ouh, une chose là. Clink. Et je me rappelle que le boss... il y a un boss à la fin de ce niveau là. Et il est relativement simple. C'est genre un gros serpent, si je me trompe pas, puis il faut le taper dessus au bon moment. Sur des trucs qui tournent avec des trous, je sais plus. Non, j'ai failli sauter. Faut pas. Saute, saute. Esquive, saute, saute, saute. Voilà. Hop. Boing. Tac. Salut. Pas dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Voilà, quand tu veux. Hop, yop, yop, et yop. Ouh, cette esquive. Jump. Non, dans l'autre sens, c'est pas par là. Oh, il y a une vie là-haut. Je veux la vie. Sauf que pour la voir, ça va être full claw. Aïe. Surtout si on se fait attaquer par des moustiques. Voilà. Lui en moins. C'est là que ça va être amusant. Voilà, calculer son coup comme il faut. C'est bon. Raté. Tu m'as pas eu. Et on a une vie en plus, si c'est pas génial. Hop, hop. Fais gaffe quand elles clignent des yeux, c'est le moment où elles disparaissent. Lui par contre, faut pas cligner des yeux sinon c'est là qu'elles apparaissent. Tu vas disparaître toi. Disparais. Voilà, tu vois. Maintenant tu réapparais. Voilà. Hop. Niveau relativement simple, faut juste être concentré sur la... le temps d'apparition des grenouilles, c'est relativement simple. C'est pour après que je m'inquiète honnêtement. Hop. C'est ça, demi-tour. Pas grand chose à dire sur ce niveau, si ce n'est que il faut juste faire gaffe aux petites bébêtes. Ah voilà, donc là à mon avis ça va être le boss, à savoir l'espèce de gros serpent. Musique de boss, c'est déjà ça. Ouais, donc là il y a le gros serpent. Il faut juste éviter d'être sur lui au moment où il faut pas. Il y a des moments où il se prépare à attaquer, il faut sauter sur sa tête et j'ai raté beaucoup, évidemment. Sinon ce serait pas drôle. Descendre en bas, tiens. Oh bah j'ai bien fait. Ouais. Attends, faut se mettre sur la trajectoire. Voilà. Tapez. Oh là,
tu. Redescends. Descends. Aïe. Genre, il m'a tapé. Voilà, tranquillement. Ouais, relativement simple. C'est le principe du jeu où les... Comment dire? Où les niveaux... D'accord. Où les niveaux sont très compliqués, mais où les boss sont très simples à battre. Mais franchement, ce que j'appréhende le plus, c'est des niveaux comme celui du volcan ou quelque chose comme ça. Oh, genre, ça touche. Allez, petit serpent, montre-nous ta tête. Qu'est-ce que tu fous, Xey? Qu'est-ce que tu fous? Mais j'en sais rien, moi. Ouais, bah fais gaffe, parce que t'as plus qu'un cœur. Là, je pourrais sauter, faire mon YOLO. Allez, réapparaît. Bim. Ouais, en fait, je suis pas à l'aise du tout en bas, parce qu'il y a le truc qui me gêne au-dessus, tandis que là, j'ai plus de liberté pour sauter. Voilà, on va éviter d'être dessus, parce que c'est là que ça pique. Oui, d'ailleurs, son corps pique, ce qui est parfaitement normal. La logique voudrait qu'il n'y ait que sa tête, puisque c'est à sa tête qu'il y a ses crochets venimeux. Pour un serpent. Donc là, même son corps fait mal, donc... Bon, d'accord. Voilà, que sa tête. Bon, fais gaffe, on a déjà perdu 2 vies sur un boss qui est censé être simple. Voilà. En fait, il faut taper légèrement reculer par rapport à là où il apparaît et retaper. Voilà. Tu recules, tu tapes, tu te mets entre. Voilà, t'attends, tu recules, tu sautes, tu tapes. Ah bah c'est bon. Et la clé? Y a pas de clé? Ah si, y a la clé. Et nous libérons le Schtroumpf à lunettes. Tu veux le dire au grand Schtroumpf? Ouais, c'est ça. Dis-le au grand Schtroumpf. Mais dis-le au grand Schtroumpf, dis-lui. Super, tu as délivré le Schtroumpf à lunettes, ce casse-pied de service. Maintenant, il te faut rejoindre le Schtroumpf gourmand. Ouais. Étant moi-même gourmand, je comprends. Tabadabading, tabadabading, tabadabading. Ah, alors attention, ça faut le noter. Très important, nous avons donc Grand Schtroumpf, cadeau, lunettes et gourmand. Voilà, le mot de passe pour revenir à la grotte quand on mourra. Ah, et un tableau bonus. Récupérons quelques vies. Oui, c'est bien, c'est le bonus, on a compris. Allez, run. Non, j'ai failli faire comme la vidéo le jour du grenier. Il arrive et il se mange la poutre en arrivant. Et il recommence tout. Non, 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 non. On va pas mourir bêtement comme ça. Ce serait trop con. Putain, je rate la vie. Tiens, soignage, c'est pas mauvais, ça, par contre. Chope-moi ces feuilles. Avance. Allez, chope ça, chope ça, chope ça. Putain. On va pas y arriver. Oh, mais c'est pas vrai, ça. En fait, tu ne peux pas reculer. En fait, quand t'essayes de reculer, tu freines. C'est tout ce que tu fais. Regardez, je freine. Ça ne recule pas. Tout ça. Voilà, une vie, c'est déjà pas mal. L'idéal serait d'avoir ce qu'il faut. Et un niveau que je n'apprécie pas vraiment non plus, c'est la grotte. Je meurs pas mal de fois. Il faut aussi savoir apprécier la lumière du Schtroumpf à lunettes. Ouais. Badabadabada. Et laisse-le te guider dans les grottes. Chewing. Vous vous souvenez de cette musique? Oui, vous vous en souvenez. C'est exactement la même que dans celle des Schtroumpfs noirs. La musique de mauvais augure. La musique qui t'indique que tu vas crever. La musique qui t'indique que... Je vais finir avec un game over. Aïe. C'est le grand
bien en tout cas. Oh mais ah, arrête de me suivre. Alors attendez, deux petites secondes, je fais une petite pause. Voilà, c'est le téléphone, tout ça, numéro privé, personne que je connais pas. Écoute. D'accord. Bon. Continuons. Coucou. Aïe. En plus, un putain de labyrinthe ce niveau, c'est formidable. J'adore les labyrinthes, je vous l'ai pas dit. Squeak. On va faire le con. Voilà, ça passe. Ça passe. Bon, toi, tu vas nous faire chier, je le sens. Hop. Évidemment. Évidemment, c'était tellement prévisible. Toi, tu vas crever. Clunk. Voilà. Ah, là, évidemment, je peux pas l'esquiver. Ah si, je peux. Doucement, c'est bon. Ça passe. Bon, alors allons-y doucement. YOLO, c'est bon. Doucement, 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 malheureux. Jump. Jump. Je le sens moyen ce saut. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe. Non, je suis coincé. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il était coincé. Merde, ça passe pas. C'est bon. Comment je fais pour... Là. Voilà, c'est bon. Là c'est ouvert, on saute, on saute. C'est pas de ce côté là qu'il faut aller. Là, c'est l'occasion. Ah bah non, c'est pas l'occasion parce qu'au fait là-haut où il y a des rochers et on peut pas y accéder. Par en dessous peut-être. Oui, par en dessous. Et une framboise, c'est bon signe. Tu vois, je sais pas pourquoi je sens que tu vas nous faire chier. Ouais, tu vas grandement nous faire chier. Voilà, on est passé tranquillement. Comment va-t-on faire ceci, comme ceci? Jump, jump. Ah, j'ai vu le truc là-haut. Ah ah. Technique ancestrale de la savonnette sous les pieds. Ah bon, bah c'est par là, je suppose. Allez. Chauve-souris, amène-toi. Voilà. Clunk. Ah, parfait. C'est à peine risqué son bordel. Hop. Mais comment je suis censé aller là-haut, moi? Bon, on fait revenir par là, hein. Pas le choix. Voilà, voilà. Toi, tu vas dégager tranquillement. Aïe, tant pis. YOLO! Ouais, par contre, je sais pas du tout quel truc ça a pété. J'espère que c'est là-haut. C'est risqué, mais... C'est risqué comme plan. Il n'y aura plus rien ici, c'est parfait. Est-ce que c'est par là que j'ai ouvert? Non, c'est pas par là que j'ai ouvert. Fuck, fuck, fuck. Je hais ce niveau. Trop de... Comment dire? Labyrinthe pour moi. Du coup, ça doit être celui de là-haut qui a été ouvert, je suppose. Bingo, c'est celui de là-haut. Oui, il y a une étoile par là, tant pis. Pump. Bah, cette fois, ça va être celui de là-bas, je suppose. Les chauves-souris qui s'envolent. Mais comment je suis censé arriver là-haut? Moi, j'en sais fichement rien. Pardon. Bon. En prenant ça, parce que ah non, je peux pas prendre ça. Si je trompe la lunette, il peut pas prendre d'objet. C'est qu'un bête, il sait pas prendre d'objet. Ah, deux fois que je me fais avoir par eux, évidemment.
suis paumé. Oh, on n'est jamais venu ici. Ah si. Ici. Ah bah, soignage, parfait. Petite chauve-souris passe. Et j'ai plus que 15 secondes. Enfin, 15. Je sais pas quelle unité de temps, parce que c'est pas des secondes. Vu la vitesse où ça va. Putain, on peut pas. Là. Et là, ça va être bon. Oh, il y a une étoile là-bas. Voilà. Il y a une chauve-souris là-bas. Dites-moi que c'est la sortie. Dites-moi que c'est la sortie. Oui, c'est bon. Oh, genre 9 secondes pour finir ça. Non, je suis désolé, ce n'est pas possible. Même en rechant, ce n'est pas possible. Je reprends pas du début. Je reprends pas du début. Faites ça. Ça fait tomber un rocher. Admettons, là-bas, il y a un rocher qui est quasiment invisible. Saute. D'accord. Pourquoi il n'y a pas sauté? Bon. Bah écoutez, on va... Aïe. Bah écoutez, si je fais game over, vous savez ce qu'on va faire? Parce que là, on arrive bientôt au... Bon, bah game over. Bon, bah écoutez, on va arrêter l'épisode ici. Début de prochain épisode, je vous mets l'accéléré de ce que je recommence. Autrement dit, le début de la grotte, tout simplement. Et je vous montre les morts, tout ça, voilà, voilà. Donc sur ce, je vous dis bonsoir à tous, enfin bonsoir, bonne journée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, n'est-ce pas? Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, ciao ciao! Voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et mais attends... LOL! Et là, si je fais ça... Ouais, ça marche! C'est cool. Hop. Allez, petit corbeau, avance. Avance. Voilà. Alors attention. Juste. J'étais dessus. J'étais dessus. Non.